Vidéo, plusieurs centaines, des bonnes, des moins bonnes, certaines planifiées, d'autres filmées à la barbare, des vidéos intéressantes voire instructives, d'autres un peu moins. J'adore le format vidéo puisqu'il laisse beaucoup de liberté, peu importe ses formes. Un film de 90 minutes, une série sur plusieurs saisons, des millions de vidéos sur Internet, certaines naïves et amateurs, d'autres un peu plus travaillées. Et donc, depuis quelques mois, je me pose des questions sur ma façon de travailler, la façon dont je construis ces vidéos. Plus de 10 ans que je fais des vidéos, la première phase était une période longue d'apprentissage, comment filmer, améliorer le matériel utilisé, maîtriser les logiciels de montage. Est venue la phase de rodage, où j'ai amélioré le flux de tournage et de montage pour produire toujours plus de vidéos, sans réfléchir au fond ou à la forme. Le but premier était de produire toujours plus et plus efficacement. Avant d'atteindre la phase du marais, la stagnation. Certes, je continue à produire des vidéos, mais plus par habitude que par passion et sans réelle intention derrière. J'étais rentré dans une routine, je maîtrisais le matériel, les logiciels, mais avais oublié une part importante du processus. Les vidéos ont leur propre langage, leur grammaire. Je ne suis pas une grosse boîte de production et c'est pas mon métier. Et c'est un peu comme le sexe sans amour. C'est fun, mais ça manque un peu de sens. Donc j'ai commencé à creuser déjà le sens de mes vidéos. Pourquoi je consacre autant de temps, d'énergie et d'argent là-dedans? Oui, il y a de la recherche d'amour, de validation par des inconnus principalement, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière tout ça, il y a deux motivations pour deux types de vidéos bien différentes. La première, qui peut être qualifiée de vlog, n'a rien à voir avec le bricolage ou la bidouille. J'essaye de partager mon expérience avec le moi d'il y a 20 ans. Qu'est-ce qui aurait pu me servir quand j'étais plus jeune? Les choix que j'ai faits ou que je fais? Les choses que j'aurais pu mieux faire autrement? M'ouvrir et partager à des expériences humaines? Beaucoup de fails et comment en tirer des leçons? Des vidéos souvent face caméra, beaucoup de blabla. Même si le contenu peut être intéressant, la forme est assez convenue et pas très dynamique. Le deuxième type de vidéo est ce que je qualifie d'épisode, qui montre en général la fabrication de quelque chose, un objet, une technique, un matériau. Ces vidéos ont beaucoup évolué, partant d'épisodes mal montés et chiants de plus d'une demi-heure, à un format bien rodé d'intro, action et conclusion. Mais même si elles peuvent être parfois plaisantes, elles loupent le coche. Elles insistent peu sur l'intention, l'idée de base, le besoin. La façon de filmer le déroulement de l'épisode était assez convenue et flemmarde. En général, un plan large pour tout capter avec la caméra, et je m'arrange au montage, comme je me disais à moi-même. Beaucoup de fois où je masque la réalisation avec mon corps, mes mains, bref, aucune réflexion ou très peu sur la caméra, son emplacement, ce que je filme, et surtout ce que ça signifie. Et d'une certaine façon, c'est compréhensible. Je filme seul, j'ai pas trop le temps de m'occuper de tout ça, donc je vais au plus simple. Compréhensible, mais excuse de merde. Donc tout ça, ça s'arrête maintenant. La première chose est donc de raconter une vraie histoire, utiliser tous les outils à ma disposition. Préparer, écrire, planifier, les plans utilisés, les transitions, le son, les bruitages, la musique, trouver une identité, une nouvelle façon de produire, tourner, réaliser, monter les vidéos. Je n'ai malheureusement pas de recette magique et je risque de tester pas mal de choses dans les prochains mois, aussi bien sur le fond, c'est-à-dire les thématiques des épisodes et des futures vidéos, mais aussi sur la forme, changer le rendu, la durée, voix ouf ou pas, choix des musiques, etc. J'essaye aussi de m'éduquer sur plus ou moins tout ce qui touche à la vidéo de près ou de loin. Comment améliorer l'image, le son, le montage, l'écriture. Il existe beaucoup de ressources un peu partout sur Internet, des bouquins, des podcasts, et je suis en pleine recherche et en pleine éducation. Je dois aussi résoudre un problème existentiel de mouvement. Comment piloter une caméra tout seul, en étant acteur et caméraman? Comment réorganiser mon espace de travail pour qu'il soit toujours pratique pour travailler et adapté à mes envies cinématographiques? Bref, on va pas y aller comme un gros bourrin tout de suite, on va commencer par travailler un peu plus la préparation et l'écriture dans un premier temps. Et puis on va s'attaquer à l'étalonnage, le montage, essayer des transitions un peu plus coolos, prendre des raccourcis pour rendre les vidéos plus dynamiques et plus digestes, et le reste se fera au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'intention, j'espère qu'elle vous aura plu,
Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode, nouveau format, qui j'espère vous plaira encore plus. Comme d'habitude, si tu as des remarques, tu veux partager avec la communauté, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à venir rejoindre plein d'autres barbus sur le Discord. Et en attendant la prochaine vidéo, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.